Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la flottabilité des aliments dans l'eau. Nous savons tous que pour rendre l'aliment accessible aux poissons, il faudrait que ça flotte à la surface de l'eau, que ce soit en étang ou dans un système hors sol. Le poisson doit se sentir plus à l'aise et aller consommer l'aliment qui est à la surface. Or, l'aliment qui ne flotte pas et qui se retrouve, qui descend dans la colonne d'eau et se retrouve au fond de l'étang ou du bassin, on ne sait pas s'il va être mangé et il peut plus contribuer à la pollution de l'eau. Mais comment est-ce que ça se fait en pratique? Donc, pour une personne qui a fabriqué un aliment, on suppose que l'aliment est déjà fabriqué, comment est-ce que cette personne-là peut estimer la flottabilité de ces aliments, qui est un gage de qualité à plusieurs égards? Pour ça, on va faire une petite séance pratique où je vais vous démontrer cela. On va commencer par présenter le matériel qu'il faut. Il faut des déchets de ce genre transparents et gradués. Il faut bien sûr de l'aliment et il faut de l'eau. Donc, je vais vous montrer dans les minutes qui suivent pratiquement comment on estime la flottabilité des aliments en pourcentage. Là, je vais remplir les deux déchets. Avec de l'eau, on a le déchet de 500 ml. Je vais mettre 500 ml d'eau là-dedans. 500 ml, c'est la moitié d'un litre, donc 10 ml d'eau. Vous pouvez le constater, on a 500 ml d'eau, 10 ml d'eau dans chacun des déchets. Là, on va mettre 20 granulés, donc individuels. Je vais compter 20 et mettre là-dedans. Ça, c'est un aliment commercial dit flottant. Donc, c'est ce que le producteur nous a dit que ça allait flotter. Et ça, c'est un aliment fait maison qui est bon pour les aquariums, mais qui ne flotte pas en principe. Là, je vais compter aussi 20 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais placer les aliments dans l'eau pendant 20 et les laisser pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, je viendrai compter le nombre de granules qui flottent. Et c'est à partir de là que je vais déterminer en pourcentage le taux de flottabilité de mes aliments. Donc, je commence par l'aliment flottant très rapidement. Et ensuite, l'aliment qui n'est pas supposé flotter. Et là, comme vous pouvez remarquer, l'aliment est allé totalement au fond et là, c'est en train de flotter. On va attendre 20 minutes pour voir ce qui se passe. Et 20 minutes, généralement, c'est la norme pour le tilapia. Parce que le tilapia, quand il a faim, si vous lui donnez 2 ou 3 repas par jour, en 20 minutes, normalement, il a bouffé, il a tout mangé. Mais les autres poissons, comme la carpe, qui mangent très lentement, qui peuvent manger pendant des heures, ce serait bien d'attendre, donc de faire une étude de flottabilité sur plusieurs heures. Mais pour nous, comme ça, c'est un aliment conçu pour le tilapia, en 20 minutes, déjà, on pourra avoir nos données. Et là, on va prendre une petite pause, on revient dans 20 minutes pour voir quel est le taux de flottabilité.
Voilà, ça fait 20 minutes qu'on a placé les aliments dans l'eau et maintenant on va déterminer le taux de flottabilité. Comme vous pouvez le remarquer ici, les aliments flottent entièrement. Voilà, les aliments flottent entièrement ici. Et là, tous les aliments sont allés au fond. Donc, rapidement comme ça, c'est facile de conclure. Donc, pour cet aliment ici que je tiens en main, on va dire que le taux de flottabilité est de 0. Et celui-ci est de 100%. Si on avait attendu plus de 20 minutes, donc au bout d'un certain temps, on peut estimer que, comme on peut voir quelques grains ici qui commencent à descendre, là, qui sont totalement immergés, on pourrait s'attendre à ce qu'au bout d'un certain temps, de quelques minutes ou quelques heures, qu'on ait quelques grains qui descendent au fond. Et là, ça pourrait réduire le taux de flottabilité. Mais pour cet exercice bien précis qu'on vient de faire, on se rend compte qu'ici, on a un taux de flottabilité de 0%. Donc, c'est un aliment qui descend, qui ne flotte pas du tout. Et là, on a un taux de flottabilité obtenu en 20 minutes de 100%. Donc, c'est ça, une analyse simple qui peut être faite au niveau du laboratoire pour toute personne qui fabrique des aliments et donner ce pourcentage comme un gage de qualité pour la formule alimentaire et le processus de production avec l'équipement qui a permis d'obtenir ces aliments-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, je vous inviterai à partager la vidéo, la liker et en plus, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'abonner sur la chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci.